Valentin n'est pas que le saint patron de l'amour, il est aussi celui des épileptiques. Et cette journée internationale de l'épilepsie est l'occasion idéale de briser les tabous de cette maladie neurologique qui touche 650 000 personnes en France, soit 1% de la population. Alors ça peut toucher tout le monde, il n'y a pas d'âge, pas de sexe. Ça peut commencer à zéro, comme à 22 ans, comme à 77 ans, comme à 80 ans. C'est vraiment sans limite. Le quotidien, c'est ça, les gens ont peur de parler de leur épilepsie, ont peur d'entendre parler de l'épilepsie et ont peur de voir une personne épileptique tomber parce qu'ils pensent toujours qu'une personne épileptique tombe forcément, se mord forcément la langue. Et c'est pas forcément uniquement ça, l'épilepsie, ça peut être les simples tremblements ou des convulsions simples ou vraiment des absences de la personne où elle perd le contact pendant une quinzaine ou une vingtaine de secondes. Sébastien a été diagnostiqué à l'âge de 9 mois. Opéré et sous traitement complémentaire, il fait en moyenne 2 crises par mois. Il fait partie des rares malades à avoir trouvé un emploi. J'ai moi-même quasiment une vie quasi normale, c'est vrai, on peut le dire. Je prends beaucoup plus les transports en commun et j'ai un travail normal dans une entreprise normale, contrairement à la majorité des personnes qui seraient malheureusement en ESAT ou qui ne pourraient pas travailler. Élodie, elle, peut travailler mais ne trouve pas d'emploi. Son épilepsie est apparue à l'âge de 22 ans suite à une grippe qui l'a plongée dans le coma. L'annonce de sa maladie au réveil a été difficilement vécue. Ça a été une annonce horrible pour moi, j'y croyais même pas quoi. Alors qu'est-ce qu'il a fallu que vous changiez une fois que vous avez appris que vous étiez épileptique ? Bah, toute ma vie quoi. Et il a fallu avoir des médicaments et puis il a fallu que je change vraiment toute mon orientation de vie quoi. Débarquée au Mans, voilà 4 mois pour se rapprocher de l'association, elle essuie de nombreux refus des employeurs effrayés par sa maladie. Elle rêve d'un poste au calme, dans une bibliothèque par exemple. Éloignée de l'emploi, l'épilepsie l'a isolée aussi de ses amis. Il y en a beaucoup qui sont quand même sur la réserve, quoi. Quand je suis tombée malade, j'ai fait le tri de mes amis par exemple. Il ne nous en reste pas beaucoup quand c'est comme ça. Est-ce que ça les a fait ? Oui. Pourquoi ? Je pourrais pas vous dire pourquoi. Comme si on était. Je sais pas, c'était une maladie qui leur faisait peur, quoi. Et je vous assure qu'il vous en reste pas beaucoup, des amis. C'est incroyable. Sa maladie, elle le sait, elle devra vivre avec toute sa vie. Les traitements qu'elle prend devront changer régulièrement pour empêcher son corps de s'y habituer. Mais le changement qu'elle espère surtout est celui des mentalités.